Eh, ces deux élèves, ils sont pas très sérieux et un peu coquins, hein. Il y a cette fille qui dit à son crush, hey, t'as envie d'aller en cours aujourd'hui? Il lui répond, MDR, je déteste l'école, tu sais bien. Elle fait, bah écoute, ma mère est pas à la maison jusqu'à 14h, on peut rester chez moi et sécher la matinée ensemble. En plus, mon lit est encore chaud et il y a beaucoup de place. Tu choisis les cours avec nos profs ou alors sous la couette avec moi? Bah, j'avoue que dites de cette façon, hein, on a une petite préférence. Il fait, bah la question est vite répondue, j'arrive dans 10 minutes chez toi, bah tiens donc. Oh là là, il me fume. Allez, salut les potos, c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment très grande forme. Ça va vous faire plaisir aujourd'hui, c'est les pires SMS pour draguer un mec. Je vous avais promis de vous faire cet épisode. Et mesdemoiselles, vous cachez bien votre jeu quand même, hein. Vous êtes plutôt coquine et vous faites du rentre-dedans des fois. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, qui sont plus subtils. Mais à la fin, bah, il y en a qui vont prendre des râteaux. Il y en a d'autres qui vont réussir à conclure. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi les amis dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes un garçon ou une fille? On va faire les petits sondages comme ça. Si maintenant vous êtes prêts, c'est parti. Ah non, cette meuf, elle a vraiment osé aborder son crush de cette façon. Elle lui dit, non Benoît, j'ai fait tomber du café sur mon pantalon. Il lui répond, bah pété d'air, va falloir te nettoyer. Elle fait, bah non, le mieux c'est que t'enlèves mon pantalon, comme ça y a plus de tâches. Boum, miracle. Il fait, hé, quoi? Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, donc t'as fait exprès de te tâcher pour que je te déshabille, si j'ai bien compris? Elle lui dit, bah oui, je sais boire du café et je suis pas maladroite comme fille, hein, t'as bien compris ma technique. Mais bon, si c'est la seule façon pour qu'il se passe un truc entre nous, je suis prête à me tâcher tous les jours s'il le faut. Oh, j'ai fait tomber un petit morceau de gâteau sur ma cuisse, tu viens m'aider mon petit Benoît? Il lui fait, non, j'avoue, c'est subtil comme technique de drague, bien joué à toi. Bon, tu sais quoi, j'arrive pour te nettoyer alors. Et alors là, elle lui sort le coup de grâce, elle fait, oh, je crois que j'en ai aussi mis sur ma culotte, oups. C'est une chaudasse, hein. Il lui fait, eh, lui, il est choqué à chaque fois, hein. Il fait, bon bah c'est parti pour te faire la totale, hein, tu sais quoi. On va te mettre à la douche directement. Ah, c'est subtil et en même temps ça un peu rentre dedans. Là j'avoue que la proposition est intéressante. Cette fille, elle dit à un garçon qu'elle aime bien, écoute, je devais aller voir un film romantique au cinéma avec ma mère ce soir, mais elle a eu un empêchement avec son travail. Elle m'a dit d'inviter un garçon que j'aime bien et du coup j'ai pensé à toi. Ça te tente? Ça veut tout dire, hein. Il fait, bah tu sais, je suis pas trop film d'amour moi, je t'avoue. Elle fait, non mais tu viens pas pour voir le film, mais pour passer un moment avec moi, neuneu. En règle générale, tu sais, on finit par se pécho après la séance. Mais bon, ça dépendra de toi, car moi, j'en ai déjà envie. Bon là, elle peut pas être plus claire, hein. Si le gars, il a pas compris qu'il avait toutes ses chances avec cette meuf, c'est qu'il est con, j'ai pas d'autres mots. Il fait, bah tu sais quoi, soudainement, bah je commence à aimer les films d'amour. Me demande pas pourquoi, tiens donc. On y va pour quelle heure du coup? Elle lui fait, bah tu sais quoi, viens chez moi à 18h, car la séance commence à 20h. Il fait, mais attends, je dois venir 2 heures avant? Mais le cinéma, il est juste à côté, non? Pourquoi je dois venir 2 heures avant chez toi, alors qu'on est à 5 minutes à pied de la séance, tu vois? Et regardez ce qu'elle lui dit. Oui, mais en fait, ma mère part à 17h45, donc j'ai la maison pour moi toute seule. C'était surtout si tu voulais qu'on se chauffe un peu avant la soirée. Ah ouais, ça grille les étapes. Normalement, tu fais un petit cinéma, tu vas boire un verre après, et tu finis la nuit avec la meuf. Là, il va peut-être déjà avoir une partie de jambes en l'air avant même que le film ait commencé. Il fait, ok, j'ai compris, hein. J'arrive pour 18h max. Ah, j'ai déjà hâte d'être avec toi. Elle lui dit, parfait, tu sais quoi, tu m'aideras à choisir ma tenue, comme ça je ferai un essayage devant toi. Ah ouais, là, une meuf qui se met en sous-vêtements et qui commence à essayer ses petites robes. Ah, ça veut tout dire. Il fait, oh bah, que des bonnes nouvelles que tu m'annonces là. J'adore la réaction des mecs surtout, c'est dire que j'avais prévu une soirée jeux vidéo, j'avoue que ton plan me convient beaucoup plus, MDR. Oui, JK avec tes potes, eh vas-y, on est sur Fortnite. Ou alors, petit ciné romantique, petite nuit avec ta crush. C'est vrai quand même, les gars, hey, on aime bien jouer aux jeux vidéo, mais à un moment, faut pas trop réfléchir et faut choisir le bon plan quand même. Franchement, n'importe quel mec qui reçoit ce message d'une fille, il est ultra flatté. Moi, ça m'est jamais arrivé. La meuf va clairement lui faire une énorme déclaration d'amour par SMS. Elle lui dit, quand je te vois, Ryan, mon cœur bat vite. J'ai des frissons dans le bas du ventre. Mes yeux ne peuvent pas s'empêcher de te regarder. Oh, c'est mignon, hein. Je rêve de toi 3 fois par semaine. Tu hantes mes pensées. Carrément, je sais pas ce qui m'arrive. On dirait que tu m'as lancé un sort pour que je tombe amoureuse de toi. Si je ne deviens pas ta petite copine, ma vie sera tellement triste et je n'aurai plus aucune raison d'être de ce monde. Aime-moi, s'il te plaît. Ouais, carrément. Je mets fin à mes jours si nous sommes pas ensemble.
Tu vas penser que je suis folle, mais je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour un garçon. Je suis complètement accro à toi, c'est une sensation magique et tellement effrayante à la fois. Là, franchement, je stresse. Quelle va être la réponse de ce mec? S'il lui met un vent et un râteau, c'est horrible. Il lui dit « Salut Estelle, écoute, c'est le message le plus mignon que j'ai reçu de toutes ces dernières années. » J'avoue que là, c'est pas mal, hein. « Mais je comprends pas comment tu as pu tomber si amoureuse de moi. Tu aimes quoi chez moi exactement ?» Attends, comment elle peut être autant en crush sur moi? J'ai fait quoi de particulier? Elle lui dit « Mais quelle fille ne pourrait pas t'aimer sérieusement ?» Oh là là, elle lui sort toutes les disquettes, hein. « J'aime tout chez toi. Ton sourire, tes yeux bleus, ton parfum, ton humour, ta gentillesse, ton corps, ton intelligence. » Ta générosité, oh putain, mais ça s'arrête jamais. J'aime quand tu danses, quand tu rigoles, quand tu me fais la bise le matin. Oh là 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 là, et oh putain, ça fait beaucoup de choses quand même, hein. La liste serait trop longue pour te montrer mon amour. J'ai pas l'habitude d'écrire ça aux garçons, mais je regretterais tellement de ne pas te le dire. Je vais même aller plus loin dans ma démarche. Je te propose qu'on aille boire un verre ensemble dans la semaine. Ah mais elle fait vraiment le premier pas là. Mais je vois ça comme un date. Si tu veux prendre ton temps, je comprends. Mais de mon côté, je sais déjà que je veux devenir ta petite copine. Elle sait ce qu'elle veut. Elle te le fait comprendre. Est-ce que le gars quand même, il va accepter? Il fait « Écoute, je suis vraiment flatté, Estelle, mais je sais pas si je serai à la hauteur de ton amour. » J'avoue que ça fait un peu peur quand même. Une meuf qui t'aime autant, tu sais pas si tu vas pouvoir lui rendre. Il dit « J'éprouve pas des sentiments aussi intenses pour toi. » Enfin, en tout cas, pour l'instant. « Après tous tes efforts, je suis quand même d'accord pour qu'on se voit dans quelques jours, mais je ne te promets rien pour la suite. Il me faut du temps, là. » Bah, et j'avoue qu'il faut quand même digérer un petit peu toutes ces infos. Alors, regardez ce qu'elle lui dit ensuite. Elle fait « J'espère tellement que ça va marcher entre nous. Ça me tétanise de m'imaginer ne pas réussir à te séduire. » Mais c'est gentil d'avoir accepté de prendre un verre avec moi. Je vais te montrer que je suis une fille à marier et qui mérite d'être aimée. Eh hey, mais j'ai une pression de dingue. On sait même pas s'ils ont fini ensemble, si leur date s'est bien passé, et si ce mec, il va tomber autant amoureux de cette fille qu'elle est de lui. Parce que là, c'est du grand level. C'est son âme sœur, quoi. Oh putain, c'est flippant quand même un peu. Cette meuf, elle me fait un peu de peine. Et d'un autre côté, je la trouve un petit peu naïve. Elle envoie à son crush « Salut Julien, ça va ?» avec un petit bisou cœur, ça veut tout dire, hein. Il fait « Yes, merci ». Ah oui, il lui retourne même pas la question, il s'en bat les couilles. On bat les couilles, frère. Finalement, bah, ils s'écrivent plus. Le lendemain, il lui renvoie un texto, elle fait « Coucou, tu vas bien ?» Encore avec des petits cœurs. Il fait « Ouais, ouais, tranquille, hein. » Il s'en bat les couilles, lui. Plus aucune réponse. Deux jours après, elle lui dit « Coucou, beau gosse. » La forme, c'est toujours elle qui fait le premier pas, hein. Il fait « Ouais, ouais, tranquille, tranquille. » Ce mec, désolé, mais là je crois qu'il est pas amoureux. Alors finalement, en fin de semaine, elle lui dit Julien, ça va? Tu racontes quoi de beau? Il fait bah, je sais pas, rien de spécial. Franchement, ses réponses sont à chier, hein. Elle fait mais depuis une semaine, je t'envoie des messages et t'en as rien à faire. Tu as pas remarqué mes smileys cœur et que j'avais un crush pour toi? Le gars, encore une fois, lui met un gros vu, un gros vent, il répond pas. Alors elle renvoie un texto, elle fait « Eh oh, tu me réponds plus? Mais dis-moi quelque chose, Julien !» Bah arrête, laisse-le là, enfin, il est pas intéressé, clairement. Le mec, il lui envoie juste un point, quoi. Ce gros bâtard. Ça me rend. Oh, ça fait mal au cœur, quand même. Elle fait « Mais pourquoi tu m'envoies un point? Tu dis quoi de beau, alors ?» Oh, elle continue. Alors le gars, il fait « Bon, tu vois pas que j'en ai rien à foutre de toi? Je voulais pas être méchant au début, mais bon, à un moment, il faut comprendre. Je te calcule pas volontairement et tu continues à forcer tous les jours. T'es vraiment relou. » Elle fait « Ah, je vois. » On dirait qu'elle va chialer. « T'es sûr que tu veux pas continuer à parler ? » Mais arrête de lui envoyer des bisous cœur à chaque fois alors que le mec s'en fout. Elle fait « Bon, j'ai compris. J'arrête de t'embêter, je suis assez triste, mais c'est la vie. Je t'oublie pas. Si tu veux un jour me revoir, envoie un message, mon Julien. » Non, je crois qu'il le fera pas. Le problème, c'est qu'elle a pas d'ego, cette fille. Et elle continue alors que le mec s'en fout. Tu devrais jouer un peu la carte de la distance. Plus trop lui parler, le mec va se dire bah attends, elle est plus en crush sur moi, oh elle était peut-être intéressante finalement, et le laisser revenir parce que là en fait, t'es trop à sa merci. Et on va finir avec ce dernier texto, cette meuf qui dit à son crush pourquoi les rêves se réalisent jamais. Il lui dit ah bon pourquoi, t'as pensé à quoi exactement? Elle fait bah nous deux, se tenant la main dans la rue après t'avoir embrassé sur la bouche sensuellement. Bon là c'est une déclaration. C'est un rêve et elle aimerait que ça se passe. Il fait mais qui t'a dit que ça n'arriverait jamais? Elle est trop contente, elle fait « Ah bon, j'ai mes chances avec toi !» Et là, stop tout de suite, il fait « Bah non, je rigole, continue à rêver, c'est mieux. » Oh l'enfoiré. Oh le bâtard. Oh là là, t'es vraiment pas cool. Elle fait « Non mais c'est méchant de me faire croire que j'ai mes chances avec toi. » Il fait « Bah non, moi je trouve ça drôle, au contraire. Non mais écoute, ça fait 2 mois que tu me dragues et me tournes autour. Si t'étais mon style de meuf, tu penses bien que je serais sorti
sortir avec toi depuis longtemps. Ouais, mais t'es pas obligé d'être un bâtard non plus, hein. Il fait je te réponds juste par politesse, car t'es gentil, on va dire, mais juste, je te trouve pas jolie et je t'aime pas. Wouah, c'est violent, hein. Alors elle envoie plein de smileys qui vont chialer. Il fait mais arrête avec tes smileys de victime, ça changera rien, meuf, hein. Tu vas pas m'amadouer, me rendre mal et tout, je t'aime pas. Elle fait ok, salut, merde, elle me fait de la peine. Après, on peut pas forcer ce mec à être amoureux de cette fille. Et à un moment, je pense que lui peut utiliser aussi d'autres propos pour lui faire comprendre qu'il est pas amoureux. Bon, il y a des beaux messages, il y en a d'autres qui sont clairement violents et qui se sont très mal passés. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On aura fait l'épisode de drague sur les filles et celui sur les mecs. Comme ça, tout le monde en aura pour son compte, ok. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi les amis dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes un garçon ou une fille, et si tout va bien, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'embrasse les potos, ciao tout le monde. Bye.